Bonjour, ici Caroline pour Science et Tech Nouvelles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cassandra qui va nous parler d'un projet de déménagement d'un gros artefact qui était au Musée de sciences et technologies vers l'Ouest canadien. Alors, Cassandra, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui. Alors, le musée ainsi que les quatre commanditaires qui ont appuyé le développement de l'exposition Potasse, nourrir le monde, ont voulu voir que les éléments interactifs des éléments de l'exposition soient exposés, même si le musée lui-même est fermé. Alors, avec l'appui de CFI, Canadian Fertilizer Institute, le Land Cruiser va être exposé au Saskatchewan Science Centre à Regina.